Bienvenue sur GeekTech. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde de l'art en pixels avec l'enseigne Picsou Max. Que vous soyez un artiste numérique ou simplement à la recherche d'un gadget créatif et amusant, cela pourrait être l'ajout parfait à votre collection de technologies. Ce gadget unique nous a été envoyé par Picsou Max pour un avis honnête. Il combine fonctionnalité et créativité, le rendant incontournable dans le marché des gadgets d'art en pixels. Mais vaut-il l'investissement? Découvrons-le. Tout d'abord, déballons cette beauté. À l'intérieur de l'emballage élégant, vous trouverez l'enseigne Picsou Max, un câble de charge USB-C, deux ventouses pour un montage facile et un guide de démarrage rapide. Tout est emballé soigneusement, donnant une impression de qualité supérieure. La configuration de la Picsou Max est simple. Téléchargez l'application Compagnon, disponible sur Android et iOS, associez l'appareil via Bluetooth et vous êtes prêt à partir. L'application est conviviale, offrant une gamme de fonctionnalités, de la création d'animations personnalisées à la navigation dans une bibliothèque communautaire de design. L'une des fonctionnalités remarquables est la communauté vibrante d'artistes partageant leurs animations gratuitement. Vous pouvez suivre les créateurs pour rester à jour sur leurs dernières œuvres ou créer vos propres animations grâce à l'outil de conception intégré. Voici une animation en pixels que j'ai faite pour le logo de ma chaîne. La Picsou Max ne se limite pas à l'art. Elle peut afficher l'heure, la date et même servir de tableau de score pour les jeux de groupe. Avec son microphone intégré, elle peut visualiser la musique, créant une expérience dynamique et interactive. La polyvalence est un autre point fort. Vous pouvez la placer sur une surface plane, la suspendre à un mur, ou même utiliser des ventouses pour l'attacher à du verre. Cela la rend adaptée à une variété d'environnements, de la décoration intérieure aux affichages commerciaux. En termes de performance, la Picsou Max brille en intérieur. Cependant, en plein soleil, la visibilité de l'affichage diminue considérablement. De plus, il n'y a pas de capteur de lumière ambiante, donc vous devrez ajuster la luminosité manuellement. L'autonomie de la batterie est correcte, durant environ 8 heures à 50% de luminosité. La connectivité Bluetooth 5.0 offre une portée jusqu'à 10 mètres, ce qui est suffisant pour la plupart des utilisations en intérieur. Alors, la Picsou Max vaut-elle le coup? Si vous êtes un artiste numérique, un créateur de contenu ou quelqu'un qui aime les gadgets personnalisables, ce gadget offre beaucoup de plaisir et de fonctionnalités. Cependant, si vous avez besoin d'une enseigne principalement pour une utilisation en extérieur, vous pourriez envisager d'autres options. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Comme toujours, retrouvez tous les liens dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous apprécie vraiment si vous êtes allé aussi loin. D'appuyer sur le bouton j'aime et de s'abonner pour me soutenir sur cette chaîne. Il ne me reste que de vous donner rendez-vous sur une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien. À bientôt